Suite donc du tutoriel sur TrackX, dans cette deuxième partie, on va voir comment traquer un écran et le remplacer par une autre image. Par exemple ici, on va voir comment remplacer l'écran du petit portable au milieu du plan par une autre image, un autre plan vidéo. Alors on sélectionne, on fait X ici sur ce plan, et on va cette fois-ci prendre Track Layer ici, et on fait un Q pour le connecter à la taille. Ici. Alors je vais me mettre au début du plan cette fois-ci, et je vais créer créer un masque à la forme ici autour de cet écran. Alors je prends ici le deuxième figure parce que c'est des angles droits. Hein. Si j'avais besoin de faire un truc plutôt rond, je prendrais la forme de Bézier, mais là c'est pas le cas, donc je prends ça et je vais bien me mettre. Je vais grossir un peu mon image ici pour être bien. Et je vais prendre exactement les bords de cet écran. Hop. Ici, on va y compris prendre le dock en fait ici. Voilà, et voilà, on crée cette forme ici. Je pourrais l'affiner un peu plus en zoomant encore un peu dedans. Voyons voir si c'est bon. Mais ça va pas. Oui, on peut affiner un peu. Bien au bord ici. Hop. Là, on est vraiment au bord. Et ici, comme ça. Je reviens à taille normale, adaptée. Et je vais lancer mon tracking depuis le début en appuyant sur track avant, comme ça. Alors, je suis arrivé au bout, vous voyez qu'on est plus, c'est un petit peu, il faudrait qu'on reprenne un petit peu avec ici l'image comme ça. Donc je me remets bien au bord de mon image comme ça. Et cette fois-ci, je vais faire un track arrière, jusqu'à ce qu'il soit parfait. S'il n'est pas parfait, on verra manuellement comment le corriger. Vous voyez, ici on n'est pas parfait, et on va le corriger manuellement. C'est la brillance ici qui me gêne un peu, et qui a fait tordre un peu. Vous voyez, si j'ai du jaune, ça veut dire que les images clés vont bouger. Donc je vais zoomer un peu même pour être certain de le faire pas trop mal. Voilà. Bien avoir la forme. Donc là je suis au début. Maintenant je vais avancer un peu pour voir si ça suit ou si je me décale. J'ai un peu mangé sur le côté droit, mais c'est pas très grave jusque là. Là par contre ça commence à l'être. Donc je reviens un peu ici sur ma forme pour être plus sur le bord. Voilà, donc maintenant on va remplacer cette surface. Donc ici je fais de track, je passe à surface, et vous voyez ici j'ai ma surface d'insert qui apparaît. Donc je clique sur layer là et je vais aller prendre un autre plan, par exemple celui-là. Voilà, je le prends à partir d'ici, I, et je fais appliquer le plan. Et regardez, cette fois-ci je vais me mettre en taille normale, adaptée, et vous le voyez, on a inséré une image vidéo à l'intérieur de notre petit écran. Maintenant, on va faire un autre exercice. C'est le même exercice, à part qu'on a un masque ici. On a ça qui est devant. Vous allez voir qu'il va falloir qu'on utilise un masque pour faire ça. Donc, pareil, je fais X pour le sélectionner, Track Layer, Q pour le connecter à la taille. Je vais au début, je trace un... Hop. 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 Je grossis à 100 pour affiner mes points. Pas mal. Et je lance le tracking en avant. En avant, toute. Je vois que c'est pas parfait sur ma première image. Je corrige un tout petit peu. Ça. Je fais un track arrière cette fois-ci. Je vois que ça se passe pas trop mal, faut dire que ça bouge pas énormément, donc il n'y a pas vraiment de raison que... Hein? Et cette fois-ci, je suis pas mal. Donc je vais insérer mon image là. Donc, hop, je fais ça et je vais insérer ce plan-là, à partir de là, appliquer le plan. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Je fais surface ici. Et ici, vous voyez, j'ai mon plan. Alors, vous voyez que je peux le régler. Hein. C'est-à-dire que, notamment, ici, je suis un peu dimensionné bizarrement. Mais voilà, je peux rétablir ces choses-là. Hop, et je peux notamment faire glisser la part du plan que je veux en vertical, par exemple, comme ça. Voilà, je peux régler un petit peu dans mon image à l'aide de ces paramètres. Et là, vous voyez, mon problème, c'est cet objet devant là.
qui me gêne un petit peu. Alors, en fait, pour le masquer, eh ben, on a une position, on va créer un masque. Mais d'abord, pour voir l'image, il faut que je me mette ici en vidéo et que je baisse l'opacité de moitié. Comme ça, voilà. Maintenant, je reviens sur le générateur, je viens ici sur masque et je vais tracer un masque comme ça. Hop. Je vais grossir encore un peu parce que là, ça va être... faut bien que je voie le masque. Donc ici, et voilà, je trace un masque comme ça. On la prend en dehors, c'est plus la peine. Hop. Voilà, et voilà. Et je boucle le masque. Voilà. Là, j'ai bougé un peu ce point-là. Je vais changer un peu ce point-là. Ici, là, comme ça. On va être bien dessus. Voilà, et ben j'ai mon masque maintenant. Et alors, ce masque-là, le tracking va le suivre. La position relative du panneau d'affichage et de ce luminaire ne change pas, hein, c'est juste la caméra qui bouge. Or, comme j'ai déjà traqué une fois, on applique le tracking également au masque du réverbère. Donc ici, je reviens en adapté, et cette fois-ci, je vais remettre l'opacité à 100%. J'inverse le masque ici, et voilà, je retrouve mon image, et vous voyez que j'ai mon panneau qui est resté. Donc si je dis mon image cette fois-ci, le réverbère cette fois-ci, il est par-dessus. Hein, mon panneau d'affichage avec ma vidéo. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec un masque qui est lui en mouvement. Regardez là, qui passe, hein, jeune fille qui passe devant le panneau comme ça. Alors là, ça va être plus compliqué, mais on va s'en sortir cette fois-ci faisant un masque image par image pour et l'avancer pour pouvoir avoir quelque chose. On va commencer par faire comme d'habitude X ici, up, track layer Q, hein, voilà. Et ici, on se met au tout début, on crée une forme. Pour le panneau d'affichage, donc ça va être ça ici, ça ici, le trait noir là. Voilà, donc bon, on va pas l'affiner complètement hein, parce qu'on veut aller vite, c'est surtout le masque qui m'intéresse, donc même si c'est pas parfait comme comme insertion, on va essayer d'aller vite. Donc on est au début ici, on lance le tracking. Alors, on va revoir image par image que ça donne un petit peu, mais on va considérer qu'il est à peu près parfait. Voilà, donc maintenant, on remplace ici avec un plan. Alors, par exemple, imaginons celui-là encore une fois. Insert layer, on met ça, peu importe. Et on fait appliquer le plan. Regardez ce qui se passe ici. Vous voyez, quand elle passe devant, ah, c'est un peu gênant, hein, comme ça. Alors, cette fois-ci, même chose, je vais dans vidéo, je fais opacité, je descends l'opacité pour revoir l'original, hein, et un peu de nouveau, et puis cette fois-ci, on va aller, hop, juste avant que on rentre dans le champ, madame rentre dans le champ, ici, hein, c'est l'image où on va faire la première forme, donc la forme ici, on va hop, dans générateur, et on va dans notre générateur de masque, cette fois-ci, on va prendre trois masques, et un masque un peu en rond, en arrondi, donc hop, comme ça... Hop, hop, on va faire ça grossièrement, hein, sinon ça va être très très long, mais si je voulais vraiment l'affiner, je ferais beaucoup plus de points. Mais bon, globalement, on va dire que ça va faire... Hop, 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 et le bras ici, hop, et ça devrait suffire pour notre masque. Donc maintenant, très important, je mets un point clé sur mon masque, donc position, scale... rotation, encore, tout ça, je mets un point clé sur tout, ici. Et maintenant, je vais me mettre en point clé ici, donc j'appuie sur la petite clé pour point clé, et je vais bouger d'une image, alors 1, 2, 3, 4, 4 images, jusqu'à ce qu'elle soit en haut, voilà, comme ça, puisqu'elle monte, hop, là, elle est à plat. Hein, on va, vous voyez qu'elle a monté entre ici et ici. Et là, on va commencer par bouger un point pour sélectionner tous les autres, hop, en jaune. Et à partir de là, je vais bouger mon masque. Il faut en bouger un d'abord, c'est pas normal, mais c'est comme ça. Et ensuite, vous voyez ici, j'aligne un peu parce que ça a changé un peu la forme. Bon, c'est pas très grave parce qu'on n'est pas dans le panneau encore, mais par contre, ce qui est tout ce qui est le à l'intérieur, il faut que j'affine un peu comme ça. Voilà la forme. Voilà. Là aussi, vous voyez, hop, il faut que je sois mieux. Hop, et voilà, comme ça.
Là, normalement, même, ouais, je devrais être plus comme ça. Bon, peu importe, c'est pas grave si c'est pas parfait, hein, parce que sinon, ouais, ça va prendre des heures. Et voyez, voilà. Bon, après, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, j'ai jusque-là. Je bouge un point pour qu'ils soient tous sélectionnés, les gens jaunes. Et là, je bouge la forme pour l'appliquer à ce point-là. Alors là, ça a un peu changé aussi. Vous voyez, ici, j'ai l'épaule ici, comme ça. Après, je suis là, et après, je suis là. Bon, là. Hop, c'est pareil, il faut que j'affine un peu la forme, comme ça. Et là, je regarde avec ce qu'il y a avant après. Ouais, c'est plutôt là, comme ça qu'elle est, sa veste. Non, c'est elle ici, hein, il me semble. Voilà, plutôt comme ça, et comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce qu'elle monte. Voilà, jusque-là. Là, je bouge un peu pour sélectionner tous les points et je transforme ma forme. Heureusement, il n'y a pas tous les points à refaire, c'est juste quelques points qui bougent, hein. Mais vous voyez ici, par exemple, le bras a bougé, donc bon, c'est pas tout à fait la même forme. Et je vais juste à la limite de l'incrustation, bien évidemment, je n'ai pas besoin d'aller au-delà. Là, j'ai le petit piqué du manteau. Là, je me sélectionne quand je la perds, comme ça. Là, on est là. Là, on est là. Et voilà. Globalement, le menton ici, la forme du visage, ouais, ça va à peu près, hein. Alors, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et là on est sorti. Si on vient en arrière, regardez mon masque qui suit à peu près la jeune fille qui passe devant. Donc maintenant on va voir si ça fonctionne, hein. On remet l'opacité à 100. Hop, et on revient sur notre surface ici. Et on fait masque inversé. Ça devrait aller mieux. Voilà. Et on relie. Après, on peut corriger le masque. Hein. C'est pas très compliqué. On vient dessus ici. Et regardez, on repasse sur masque. Et vous voyez, c'est pas très compliqué. Ensuite, de image par image, refaire un petit peu le correction pour pas avoir effectivement, hein, ces espèces de petits loupés. On peut ici jouer sur le blur du masque, hein, pour avoir plus ou moins de. Et en rajouter un peu plus comme ça ici, et par contre du coup remettre mes points un peu mieux, voilà, comme ça ici. C'est pas parfait parfait parce qu'on a été très très vite pour vous montrer, mais vous voyez le principe, j'espère que vous avez compris. Après, vous comprendrez que c'est quelque chose qui demande quand même pas mal de travail, hein, de réussir ça. Peut-être mieux travailler comme ça en étant sur le masque avec le masque inversé déjà, hein. C'est peut-être plus simple que ce que j'ai fait point par point, parce qu'on voit le résultat ici, on voit l'incrustation totale du visage. Et on voit si ça marche ou pas. Ouais, là, effectivement, hop, si sur cette image-là, je vais être sûr d'être bien. Après, sur quelqu'un comme ça, il faut vraiment s'amuser à le faire quasiment image, point par image, au lieu de sauter 5 images comme j'ai fait. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu long. Voilà, bon, vous avez compris, on regarde un petit peu tout ce qu'on vient de faire, hein, les différents exemples, si vous voyez. Incrustation, incrustation. Ces 5 breaks qui, sur cette voiture, le texte est attaché à la voiture. Ici, l'écran en mouvement, et ici, l'écran avec une incrustation sans mouvement, et ici, une incrustation dans le mouvement. Voilà, prochain tutoriel, ce sera Slice X, c'est l'autre partie de cet ensemble Bundle Track X et Slice X proposé par Cormelt et Mocha. Alors, à bientôt. Au revoir.